Bonjour amis fans de Lego, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on fait ce second challenge construction, toujours en compagnie de Lego Arnaud. Mais ce n'est pas tout, car oui, Lego Arnaud invite d'autres youtubeurs Lego. 4 youtubeurs différents, on fait avec Lego Arnaud, moi-même, Tom Creatif Lego et également Anthony Kenobi et aussi Mando Lego. Donc voilà, il y a aussi l'empereur des briques, mais apparemment il a déclaré forfait, comme j'ai vu dans la vidéo de Lego Arnaud. J'espère d'avance que la vidéo va vous plaire. C'est parti, je vais vous expliquer les règles, avec quel set nous allons faire ce challenge, et également ma construction. Et donc on passera à la fin de la vidéo. C'est parti. Alors, ce challenge construction, j'explique les règles vraiment très rapidement parce que je l'ai déjà expliqué dans mon tout premier challenge construction avec le petit i qui s'affiche juste ici. Comme ça, vous pourrez voir si vous n'avez pas encore vu ce premier challenge construction et les règles. Mais c'est tout simple. On prend un set Lego officiel, on le démonte entièrement et le but, c'est de reconstruire un Lego, faire un petit mock avec toutes les pièces présentes dans ce set. Donc voilà, ce n'est pas une compétition, c'est pour le fun, pour le plaisir. Et donc, il n'y a même pas de gagnant et de lot mis en jeu, c'est vraiment pour le plaisir. Et donc, chacun laisse cours à son imagination. Donc, ce challenge construction, on le fait avec le set juste ici. C'est le set de la 501ème Légion, le fameux Battle Pack de la 501ème Légion. Donc le numéro 75280. Donc voilà, je vous avoue que quand Lego Arnaud m'a proposé du challenge construction, je l'ai accepté. Mais vu que je suis pas fort en mock, je me suis dit je vais galérer un petit peu. Mais au final, on va dire que je m'en suis assez bien sortie. Pour cette vidéo, je vais vous épargner la partie speed build et donc construction de ma création parce que j'ai complètement oublié de filmer entre deux. Ça prenait beaucoup trop de temps parce que j'ai dû redémonter et voilà. Donc ça allait être trop long pour vous. Donc comme ça, vous n'aurez pas à subir cette partie-là. Donc voilà pour ce qui est des règles et de la présentation du set qu'on va faire ce challenge construction. Donc voilà, assez perdu de temps, j'ai envie de dire. Je vais vous présenter ma création et puis je vais vous expliquer des petites choses sur elle. Et puis ce sera la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! Donc voilà, je viens de vous présenter ma création. Eh ben écoutez, j'en suis très fière. Donc c'est un mélange de dracar et de bateau. Je dirais que ce serait le bateau de la 501ème. Voilà, c'était un peu l'idée que j'avais parce que je voulais reproduire un vaisseau, mais j'ai pas trouvé l'idée. Reproduire d'autres choses, je n'avais pas trop d'idées, à vrai dire. J'avais juste un vaisseau en tête et donc j'ai pas réussi. Mais comme quoi, j'ai trouvé un autre truc. Et donc c'est un mélange de bateau, de dracar, voilà, à vrai dire. On sait pas vraiment ce que c'est, mais on voit quand même qu'il y a un côté esthétique. Donc voilà. Voilà pour la présentation de ce vaisseau, à vrai dire, vous ai montré tout ce que je pouvais montrer. Je vais vous mettre les figurines à l'intérieur, voir ce que ça donne, comment on place. À vrai dire, j'ai pas vraiment de choses à dire sur ce bateau, on va dire, voilà. Je suis fière d'avoir réussi le challenge et j'avais un peu peur aussi de déclarer forfait ou d'abandonner comme l'empereur des briques, mais comme quoi, bah, j'ai pas abandonné et donc j'ai réussi à faire ma création. Donc voilà. Je vais vous la faire tourner sur le plateau tournant pour vous expliquer les petites choses dessus et puis c'est parti. Donc voilà les amis, je vous présente le dracar de la 501ème Légion. Plus en détail sur le plateau tournant. Donc comme vous pouvez voir, j'ai utilisé quasiment toutes les pièces. Je vais vous montrer les pièces que je n'ai pas réussi à utiliser dans le bateau. On voit qu'à la fin j'avais un manque d'inspiration et donc j'ai placé des pièces un peu n'importe comment, comme on peut voir juste ici. Mais sinon, on va dire l'esthétique générale, c'est pas mal fait.
Donc voilà, on peut voir sur ce bateau qui a quand même pas mal du tout d'armement. On retrouve ici un lance-patate, un autre lance-patate, des mitraillettes et juste ici. Et également encore une arme, un armement juste ici. Donc voilà ce qui est de l'esthétique, on va dire, extérieure de ce bateau. On peut retrouver également le drapeau et donc le mât un peu comme on pourrait trouver dans des drakkars ou dans des bateaux tout simplement. On retrouve les deux slogans de la 501ème si je peux dire. Et on retrouve donc toutes les pièces qu'on avait dans ce set. Donc sur le coup, on va dire que j'ai bien réussi quand même ce défi. Je vais vous montrer l'intérieur du vaisseau maintenant. Enfin du vaisseau, du bateau quoi. Donc à l'intérieur du bateau, on retrouve des places pour assister, donc pour piloter on va dire ce bateau. Ici on retrouve la place du capitaine, du commandant. On retrouve également des places pour les autres passagers, donc les autres soldats j'ai envie de dire, que je vais placer juste après. Et donc bah voilà, à l'intérieur on va dire que c'est rien trop d'exceptionnel, hein. J'ai plutôt joué sur l'esthétique extérieure. Intérieur, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Donc voilà pour la présentation de ce bateau. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec les figurines mises à l'intérieur. Donc voilà, j'ai été chercher les figurines. Donc on va les placer tout de suite. Donc on met le clone ici, juste ici pour piloter le bateau. Je peux mettre également, bah, comme je veux, on va dire, le Jet Trooper. Vu qu'il vole, je peux le mettre comme ça ou comme ça. Bon, vu que là, j'ai pas d'inspi, je vous avoue, j'ai pris une plaque transparente. À moi, donc ça c'est pas une pièce qu'il y avait dans le set, mais voilà, on va mettre le petit Jet Trooper comme ça. Et en ce qui concerne les autres, on peut mettre par exemple ici une autre figurine. Et les droïdes, bah j'ai envie de dire que les droïdes ils vont dans l'eau, hein. Je suis désolée, mais ils vont pas sur le bateau, hein. Donc voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. Merci à Lego Arnaud de m'avoir invité dans ce nouveau challenge construction. J'espère que le défi a été relevé. J'ai oublié de vous montrer également les pièces que je n'ai pas utilisées. Donc les voici. Hop, je vais vous mettre juste ici. Donc voilà, il y en a exactement 8. Donc 8 petites pièces que je n'ai pas utilisées. Alors ça va pas vous étonner de venant de ma part. J'ai pas utilisé les trucs techniques, donc... ça et ça, bah ça c'était évident que j'allais pas les prendre. Ça j'ai pas réussi à le caser, je pense que j'aurais pu réussir à caser quelque part, mais bon, j'ai pas trouvé. Et les patins, bon ça vraiment j'ai pas utilisé. Il y en avait 4, je les ai pas utilisés les 4 parce que je savais pas du tout où les mettre. Donc voilà, je trouve que ce challenge est plutôt réussi. Je suis très très fière de ma construction. Donc voilà. Pour votre part, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Encore un grand merci à Lego Arnaud, je te félicite aussi pour la création. Donc voilà, je suis impatiente de voir aussi la création de Tom Creatif Lego, de Mando Lego et également de Anthony Kenobi. Donc voilà, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde. Ciao.